d'affaires meneurs que je suis né. 12 000 au nord de mon laurier, j'ai habité sur une ferme. Pendant 10 ans, j'y suis resté. C'est là que se trouve ma parenté. Ma tante Anna, mon oncle Arthur, y a aussi mon cousin Jean-Clin, qui sera l'hôtel Morin. Aujourd'hui, je n'habite plus ce village de Laurentine. C'est là que se trouve ma vie, et c'est là que sont mes amis. C'est à Fermanagh que je vais passer au moins un mois pendant l'été. C'est là que je rencontre mes amis. Je vais à la pêche avec Jean-Guy. Je fais du camping avec du diable. Je me baigne dans le grand lac Bascaton. Je visite les chemins de la CIP. J'entends des gars qui coupent du bois. Aujourd'hui, je n'habite plus ce village de Laurentide. C'est là que se trouve ma vie, et c'est là que sont mes amis. C'est à Fermanagh que je suis né. 12 000 au nord de mon laurier, j'ai habité sur une ferme. Pendant 10 ans, j'y suis resté. Un jour, j'ai dû quitter mon village pour travailler à l'étranger. Mais j'avais toujours dans le cœur ce bel endroit où je suis né. Ce bel endroit où je suis né. Ce bel endroit où je suis né. Et crois-moi, elle n'est pas inventée. Il s'agit de gars qui pourraient être moi, ou même ton voisin d'à côté. C'est une chanson que mon père m'a appris quand j'étais haut comme ma guitare. En quelques secondes, je vais te la chanter. Tu verras, c'est une triste histoire. Il a quitté son village, ses parents et ses amis, pour s'en aller vers la grande cité, croyant y trouver le paradis. Il a quitté son village, son ruisseau et sa maison, le paradis qu'on lui avait promis, est fait de bruit et de pollution. Il trouve un emploi pour pouvoir manger, en croyant qu'il va s'en sortir. Il est bien décidé à faire n'importe quoi pour se créer un bel avenir. Mais pendant que lui court après la richesse, mon ami, je connais bien des gens qui laisseraient derrière eux problèmes et argent pour aller vivre au milieu des champs.
il a quitté son village, ses parents et ses amis, pour s'en aller vers la grande cité, croyant y trouver le paradis. Il a quitté son village, son ruisseau et sa maison, le paradis qu'on lui avait promis, et fait de bruit et de pollution. Il a quitté son village, ses parents et ses amis, pour s'en aller vers la grande cité, croyant y trouver le paradis. Il a quitté son village, son ruisseau et sa maison.